La femme, ce que tu investis en elle, elle l'amplifie. C'est pourquoi l'homme met la semence en elle, mais elle donne un bébé. Elle amplifie tout ce que tu mets en elle. Si tu sèmes de l'amour en elle, elle va amplifier cet amour pour te le ramener. La femme est un amplificateur. Ce que tu lui donnes, elle amplifie. Tu lui donnes un peu d'amour, de sincérité, de loyauté. Elle va te démontrer qu'on peut monter. On peut quitter de zéro et puis devenir héros. Elle est prête à frapper sa poitrine. La femme est celle qui ne connaît aucune honte lorsqu'elle aime. Elle est prête à aller au charbon. La femme peut tourner le dos à ses parents, à sa famille, à cause de l'amour d'un homme. Donc une femme qui aime est une femme qui peut supporter un homme. Une femme qui aime est une femme qui peut changer la vie d'un homme. Mais quel genre d'homme qui a-t-il l'aide des femmes? Un homme méchant aura une femme spectatrice de sa douleur. Elle a toujours un 20 000 dans son panier. Elle mange aujourd'hui, elle nettoie sa bouche et puis elle met sa soie. Vous parlez fort. Dieu va faire. Parlez bien fort. Mon mari, Dieu va faire. Parce que souvent, il y a certains cris d'un homme qui sont des demandes masquées. Il a vu tes 40 000. Et si je peux avoir 15 000? Et ce que tu as vu? Elle dit, hey, si ce n'était pas ton team de femme, là, je l'aurais te donné. Parce que c'est dit que toi, comme ça, là, on est ensemble, on ne sait pas à quel arrêt on va se séparer. Donc, pourquoi je vais investir une affaire? Toi, tu me trompes tous les jours. Toi, tu me salis tous les jours. Tu me frappes tous les jours devant les gens. En public, je ne suis rien. En privé, tu te mets à genoux. Ce genre de foyer, là, je ne suis pas dedans. Amen. Merci, tonton. En tout cas, les filles, venez. Il a dit la vérité ou bien il a dit quoi? Enfin, on entend de partout qu'elle n'est pas soumise, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Alors qu'on ne donne que ce qu'on reçoit, on multiplie ce qu'on reçoit. Même si je ne suis pas toujours d'accord. Parce que si quelqu'un te donne, t'apporte la tristesse, est-ce que tu es obligé de dormir dans le mauvais film, maman? Donc, non. Après, on va dire qu'il conseille mal les gens. Que, oh, les coachs de Facebook, pardon, pardon, pardon. Faites ce que le tonton là dit. Oh, c'est pas moi qui dis. Oh, pardon, oh, je ne veux pas entendre mon nom dedans. Après, il va entendre. Oh, est-ce que toi aussi tu es marié? Pas de marié au lieu de faire les commérages sur Facebook. Pardon, qui devant les gens? Est-ce que c'est moi qui ai parlé? Alors, c'est un homme qui est en train de parler de ça. En tout cas, que ceux qui ont les oreilles entendent. Aujourd'hui, là, c'est devenu difficile. Mais il y a quand même mon petit frère Dave. J'ai l'impression, il s'appelle Tonton Dave sur TikTok. J'ai l'impression qu'il a compris la vie. L'autre jour, sa femme lui a organisé un anniversaire surprise. On lui a demandé de dire un mot. Il a dit épouser les bonnes femmes. Et quand il fait ses vidéos, quand tu l'entends, sauf que les gars qui parlent souvent comme ça, là, c'est mon petit frère, c'est mon cousin. Sauf que les gars qui parlent comme ça, souvent quand tu passes derrière, tu vois ou bien tu entends ce qu'ils font. Donc, c'est que. Mieux alors mon sorcier, c'est que j'ai à la maison. Mais sinon, qui donne de très bons conseils. Donc voilà.